Le chapitre 1, le verset 8. On fait la lecture sur vous. Je vous y êtes, la lecture. On fait la lecture. Donc vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prends un truc comme ça. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Oh, merci pour ta parole. Nous voulons te rendre toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Voici les fortes paroles de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Honneur, pardon, les beaux amis. Il y a eu des prophéties. Dès que le prophète Esaïe t'a prophétisé, la vie de Jésus-Christ, et des années plus tard, il va naître une vierge. Et Jésus est né où? Qui sait où il est né? Dans la région de Judée. Amen. Il va rester là. Il avait pour père. Adoptif. C'est son père adoptif, Joseph. Qui est d'après moi? Amen.
Et les gens disent que Joseph était un charpentier, c'est faux. Le collège, on a comme des lions. Maçon. On a voilà. Ingénieur en bâtiment. Si j'ai vu la présentation. Ingénieur en bâtiment. On est dans comment on est. Si c'est vrai, oui. C'est pour ça qu'il faut beaucoup étudier. Le collège, amen. Amen. Et à l'âge de 30 ans, Jésus va commencer son ministère. Parce que chez les Juifs, c'est à partir de l'an 30 ans qu'on a la maturité, qu'on a droit à la parole en public. Donc à 30 ans, dans le désert des Jean-Baptiste, il va plonger dans le Jourdain, il a reçu son baptême, il va faire un jeûne de 40 jours à ressortir, il va commencer un ministère de feu et de puissance. Amen. Un ministère de feu et de puissance. Les têtes, il n'a pas aucune énumérée. Ce sera pour moi quand quelqu'un dit l'a appelé. Nous, on peut alors que les signes accompagnent. Amen. Il faut que les signes accompagnent. Avant qu'on dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, j'imite Jésus. Oh non, ah non, mais il n'avait pas un petit ministère. Il avait un puissant ministère. Un ministère de guérison. Un ministère de délivrance. Il pouvait dire dans le temps, et la signe encore qu'elle est rentrée, il dit l'Esprit du Seigneur, laisse-moi parce que libérer les captifs, guérir les malades. Amen. Alors Jésus avait combien d'années? 3 ans. 3 ans avec merci. 10 ans. Il a arrêté. Tué. Il est ressuscité combien de jours? Quel est le jour? Il est le troisième jour, d'accord. Amen. Et il a fait combien de jours avec ses disciples? Après sa résurrection. Il est 40 jours. C'est ce qu'il dit aux gens, il dit, Jésus a fait 40 jours avec ses disciples. Tout ce qu'il a dit à ses disciples, ça n'a jamais été écrit relativement. Il leur a donné la révélation. Ça n'a jamais été écrit. La preuve, c'est que la Bible tout dit que les miracles de Jésus a fait qui n'ont jamais été écrits dans la parole de Dieu. Après les 40 jours, alors que Jésus nous montre, il va dresser une parole d'ici. Il dit, vous recevrez une puissance. Dis amen. C'est un pouvoir, une force. Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins dans la religion. C'est pour dire un même mot, avant d'être témoin de Jésus, il faut que tu reçois la puissance. La bonne tête. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Et si vous restez bien puissant, vous serez maintenant. Quand Dieu n'a pas reçu l'onction, la puissance de Dieu, il va témoigner de la puissance de Jésus-Christ. C'est pas possible. Il est resté. Quand c'est que vient chez vous la puissance, vous serez maintenant. Vous recevez la puissance et vous serez maintenant. Il est vraiment important il est malin, de recevoir la puissance de Dieu. Dieu nous a appelés à témoigner de sa puissance. Témoigner qu'il est vivant, témoigner qu'il est ressuscité. Avant d'aller, avant de se lever, il faut que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu aies la puissance du Saint-Esprit. On ne parle pas de Jésus comme ça. Quand tu dis Jésus est vivant, il doit démontrer aux yeux des gens qu'il est vraiment vivant. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Quand tu dis aux gens Jésus-Christ est vivant, démontre aux yeux de tout le monde qu'il est puissant et qu'il est vivant.
Il dit, vous serez mes témoins. D'abord, mais même ça, c'est quoi la puissance de Dieu? Et c'est ça ton problème. Il faut que Dieu t'équipe. Il faut que Dieu te donne sa puissance. Témoigner de lui. Dans ton service. Dans ta famille. Il faudrait que l'on reconnaisse que quelque chose vient. J'étais avec mon chauffeur. Jour, on allait gagner en train de faire quelque chose. On a rencontré un oncle. Pendant deux jours, on était avec lui. Et l'oncle a dit à mon entourage, c'est à cause de toi. Quand je regarde, j'ai envie d'aller à l'église. On dit amen. Il dit, quand je te regarde, ça me donne envie d'aller à l'église. Parce que je vois des pasteurs qui viennent me demander, donne-moi l'argent. Tu viens dans mon église, Dieu va te bénir. Il dit, mais je viens me demander l'argent, c'est que Dieu n'est pas dans ton église. Ah oui, les gens sont pas bêtes. Et quand tu viens à Gagnois, tu nous fais à manger. Et dès que j'ai l'argent, tu t'en fous. Lui a dit, je sers celui qui appartient l'or et l'argent. Et il dit, gouvernement, je crois ton évangile. C'est parce qu'il n'y a pas quelque chose encore en toi. L'onction n'est pas encore dans ta vie. C'est pour cela que les gens ne respectent pas ton Dieu. Ils ne respectent pas la puissance de ton Dieu. Tu n'as pas la puissance, le pouvoir de Dieu. C'est ce que tu appelles la sorcellerie. Il te faut la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu, tu nous imposes partout. Partout tu passes. Tu imposes. Les gens sont obligés. C'est brillant Dieu. C'est ce qui est en toi. C'est la force de l'Esprit de Dieu. C'est cette puissance-là qui a créé l'humanité. Mais nous, le pont, il te faut le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un qu'il te faut la puissance du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un qu'il te faut la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Les disciples ont bien écouté la parole de Jésus-Christ. Ils sont restés dans la chambre haute. Pendant 4 jours. Ils ont reçu la plénitude, la puissance manifestée par le parler en langue. Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Paul, Pierre plutôt, allait prier. Ils ont vu un paralytique, ils ont dit, nous l'avons mis hors de l'argent. Mais ce qui nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi encore et marche. Viens, je suis levé pour que tu aies commencé à marcher. Il n'y a rien en toi. C'est vrai, mon même mot. Sur cela, tu ne fais rien comme nous. Paul, Pierre dit, ni or, ni argent. Ce que nous avons, c'est la puissance de Dieu. Lève-toi, Dieu, et marche. Lève-toi, Dieu, et marche. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Il te faut la puissance de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu, frère. Il te faut cette force de Dieu. Témoigner de la grandeur et la déficience de Dieu. Lorsque tu recevras la puissance de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Même dans ton foyer. Même dans ton foyer, les démons ont commencé à plier. Je vais devenir guéri. Dans ton entreprise, dans là où tu travailles, dans ton travail, ils vont commencer à te craindre. Parce qu'on a la puissance de Dieu. Et cette force est en nous. Éloigne de nous toutes les forces. Il te faut la puissance. Dis à quelqu'un qu'il te faut la puissance de Dieu. Je demande à un sorcier, si un sorcier attaquez-moi. Amen. Amen. J'étais l'invité des radios des filles. Vous savez, parce que moi, j'ai dit de mes amis. J'ai un ami qui est directeur de la radio des filles de Gagnois, Alain Dester. Et là, on m'a invité, je suis passé à la radio. Je leur ai dit, j'ai pas assez de temps. Mais je viens moi d'annoncer à Gagnois que vous, tous les sorciers, je vous mets au défi. Et je vais vous mettre à la radio. Si je sors de cette radio, vous allez m'attaquer. Si vous m'attaquez, vous allez acheter Bible ou convertir. Le jour où un sorcier m'attaque, il s'est converti.
Amen. 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 Je n'ai pas peur des sorciers. Parce que je sais ce qui est en moi. Dieu dit. Nous avons nié. Ce qui est en nous, ce qui est en moi. Lève-toi et marche. C'est ce qui est en moi. C'est la force de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Je prêche au cap de la prière dans une église. Les gens tombaient dans la salle. Il y a un pasteur qui me dit, quand il prêche, les gens tombent. Mais quand vous pas prier, vous laissez les gens traîner. Et c'est moi. Non, quoi? Il me persécute. Voyez le corps. Il me persécute. Voyez le corps. Il me persécute. Voyez le corps. J'ai pris la bien matin. Pour m'inviter, je voyais en train de murmurer. J'ai tourné. Je dis, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous tenir debout. Et lui, écoutez. Et c'est une debout de mes regards. J'ai dit au nom de Jésus, Saint-Esprit. Fais-le tremper. Saint-Esprit, fais lever sa main. Je t'entends de parler en langue. Quand il a fini, il s'exprime. Ce qui chante en effet. Amen. Il se met à genoux. Il dit, je crois ce qui est en toi. Alléluia! Vous devez rechercher la puissance de Dieu. Alléluia! Quand vous avez cette force de Dieu, tout vous passez, vous allez parler. Tout le monde a envie de vous saluer. Tout le monde vous aime. Parce que ce qui est en vous, c'est la puissance de Dieu. Ce qui est en vous, c'est la présence de Dieu. Viens que quelqu'un cherche la présence de Dieu. Cherche la puissance. Alléluia. Amen. 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 Et vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. La seule chose, c'est qu'il n'a pas la puissance de Dieu. Il n'a pas la force de Dieu en toi. Moi, j'aime qu'on m'attaque. Alléluia. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Amen. Amen. Toi, les prêcheurs qui les patronat. Les dîners et les tuyaux. J'ai vu les prêcheurs qui disent. Les tuyaux, vous parlez. Le Saint-Esprit est tellement descendu dans la salle. C'était tellement fort la puissance. Le on a fini. Le pasteur est en train de faire une réunion avec les gens de la salle. Le catalogue en train d'être délivré. J'avais un banc à l'entrée de l'église. Je suis m'asseoir. Et puis après ça, je me suis levé. Je suis allé près de la voiture du pasteur. Et le pasteur est venu. Tous ceux qui sont venus s'asseoir là où j'étais assis, tous sont tombés comme ça par là. Tout le monde, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, on ne comprend pas. Mais c'est le prophète qui était assis. Amen. Oui, parce que quand tu as la puissance de Dieu, même, ça dit, l'onction dégage partout tu passes. Tu imposes la présence de Dieu. Il te faut cette forme de Dieu. Il te faut ce pouvoir. Il te faut ça. C'est ce qui te manque. Mais non, tu parles, ne te respecte pas parce que tu n'as pas la parole. Ok, des mots ne te respectent. Il n'y a pas d'autorité dans ce que tu dis. Amen. Il te faut la puissance de Dieu. Dis à quelqu'un qu'il faut la puissance de Dieu. Demain, nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. Demain, à jeûne, jusqu'à 14h. Dis à mon Seigneur, je veux la puissance de ton esprit. Je veux la puissance de ton esprit.